Les performances économiques de l'Algérie en 2021 ont touché plusieurs secteurs d'activité, à commencer par celui de l'agriculture qui a enregistré une bien belle moisson. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement Rural, Mohamed Abdelhafid Henni, la terre algérienne a produit pour près de 3 500 milliards de dinars de produits agricoles, soit l'équivalent de 25,6 milliards de dollars. Les matrices font état d'une légère hausse par rapport aux 25 milliards de dollars de production agricole annoncée en 2020, mais qui dans le même temps confirme la bonne santé du secteur et par voie de conséquence, celle des filières ayant enregistré les meilleurs résultats. On peut effectivement relever une certaine augmentation de la valeur de la production en valeur. Ça ne dépasse pas les 2,5% par rapport à l'année précédente. Mais si on compare ces chiffres-là par ceux communiqués par l'ONS en début d'année, à la fin de l'année précédente, pardon, pour les deux premiers trimestres de l'année 2021, pour le premier trimestre, on a une légère augmentation de la production agricole, qui était de 0,6%. La production des tomates industrielles a augmenté de 27% durant la saison 2020-2021 par rapport à 2019-2020, ainsi que les dates de 3,9% pendant la même période. La production des viandes rouges a connu quant à elle une hausse de 5%. Seul bémol à mettre en relief, le recul enregistré au niveau des résultats des céréales et légumineuses avec une baisse dans la production depuis 2018. Une conjoncture toutefois due aux faibles moyennes des précipitations. Le barrage était asséché, donc il va attendre l'année prochaine, puisqu'il y a eu de fortes précipitations sur les deux derniers mois de l'année 2021 pour enregistrer les premiers effets positifs potentiels de ce programme complémentaire. La réalisation d'un programme d'irrigation complémentaire destiné à la céréaliculture, conjuguée à la décision prise lors du dernier Conseil des ministres de majorer le prix d'achat des céréales auprès des agriculteurs, sont des mesures qui devraient permettre à l'Algérie de booster ses performances dans ce domaine.